Un grand bonsoir à toutes fidèles abonnés World Travel Multiservice. Jeudi, c'est mardi, et que côté nous te promettre depuis hier, nous allons parler de pays Lituanie, qui ça nous allons chercher qu'on est de pays ça. Eh bien, non, si t'as encore, nous allons parler de lui. Qui t'aime profiter occasion pour me saluer tout le monde qui fait partie de grand famille ça, de channel YouTube ça, qui c'est World Travel Multiservice. Et si là qui rejoignent nous, nous disons bienvenue. Bienvenue déjà dans la famille ça, à côté que vous pouvez joindre une information qui est basée sur voyage avec bourse d'études qui est entièrement financée. Nous connaissons déjà travail là, c'est qui s'allier. C'est aider à avancer et permettre que channel ça lui-même grandit de jour en jour, qui c'est like, partager, commenter et abonner avec channel là, partager link là pour l'autre zamo capable de découvrir comme ça tout, il va joindre des informations qui utiles yo, même gens que ou même ou joindre information qui utile non. Pas oublier que à chaque vidéo que moi fais, faut nous montrer que nous apprécier travail là. C'est pas simplement garder les puissants, nous pas commenter, nous pas like les. C'est ça qui va faire que et YouTube recommande vidéo mieux. Sinon, gardez nous pas like les, nous pas commenter et puis nous pas partager. YouTube pas jamais et by recommandation à vidéo mieux comme si pour ta parmi vidéo qui a passé côté monde capable joindre bien facile ou monde capable joindre channel moi bien facile. C'est nous même qui pour aider à avancer avec travail là. Bref, nous allons parler de Lituanie. Lituanie c'est un pays qui trouvé lui en Europe. OK? C'est un pays qui trouvé lui en Europe, il est entouré au nord par pays Lettonie, ça c'est pays voisin li. Au sud-est gagne Biélorussie, dans sud-ouest là joine la Pologne et puis li gagne l'autre zamil qui tout près li. Pas oublier que Lituanie fait partie de espace Schengen. Si on montare mais connaît qui pays dans espace Schengen n'a pas visa plus facile, eh bien, rale t-shirt bar pour venir regarder vidéo ça jusqu'à la fin. Lituanie, c'est un pays, j'ai me dit là, il trouvé en Europe. Il a une superficie totale de 65 300 km². Et il prend indépendance, il s'est nommé la Russie, c'est-à-dire qu'il était fait partie de URSS et qu'il était devenu indépendant à partir de 11 mars 1990. Il y a une grande partie, majorité, population parlait russe et Lituan et l'anglais qui c'est lituanien. Il y a une population qui est estimée à 2 731 464 habitants et il y a une densité par habitant qui c'est 42 habitants par kilomètre carré, pardon. Il y a un PIB de 55 milliards 64 millions de dollars et PIB lité PIB en 2020 106 milliards 913 millions. PIB par habitant li c'est 19 883 000 dollars US. Alors, pas besoin de dire non. Li gen un taux de chômage de 8.2%. Il y a un taux de chômage. Donc, capitale, c'est Vilnius. Il a servi avec euro. OK? Donc, il n'y a pas gagné un coût de vie qui est cher. Donc, comment on est capable de solliciter visa avant de parler coût de la vie? On est capable de solliciter visa Lituanie puisque il fait partie de l'espace Schengen. Non? C'est pays qui baille visa et dans l'espace Schengen, non? Plus facile. Pour que ça me dise ça, parce que c'est pas tout le monde qui sollicite visa par Lituanie. Mais yon, d'après recherche que moi fait et meilleur moment que moun capable voyager et Lituanie, c'est dans le mois de juillet, mois de août. C'est dans le moment ça où moun capable voyager puis bien et Lituanie et rejoindre vol yo plus facile tout. Donc il y a plusieurs villes qui fait partie de lui-même. Et donc, ça veut dire que nous n'avons pas le temps de prendre le temps pour me citer non ville. Mais pas oublier que la capitale là, c'est Vilnius. Il y a Kaunas, il y a Klaipėda, il y a Panavesis, il y a Altisius, il y a Marijampolė, il y a Honaval, il y a Utena. Et parmi les villes, ça veut dire que je cite. Qui donc? Je veux dire que pour le monde capable de solliciter, c'est bien facile. Pas gagner consulat ni ambassade li Haïti,
c'est en République dominicaine, si on est en République dominicaine ou gain visa République Dominicaine et visa dominicain sur passeport capable faire demande ça. On a besoin gain un relevé de compte bancaire qui gain à peu près 2 000 à 2 500 dollars américains. Faut que ouais activité qui gagne là dans les 3 derniers mois yo. Et on a besoin yon assurance de voyage, on a besoin passeport, on a besoin un bout de photo, format de passeport et puis on a besoin yon assurance de voyage qui pour couvrir nombre de jours que on va le faire et puis on va accompagner li avec avant de pour finir jeune visa ou qu'on va le faire et test de Covid tout ça et puis on va le faire tout autorisation de voyage rapidement nous allons entrer dans le cours de la vie. Lituanie c'est un pays qui moins cher en Europe et yo gen yon taux de vie qui très élevé qui rive à 85 ans. OK, yo moun ka viv Lituanie et c'est un pays qui gen qui entouré par forêt, ça veut dire li très et son pays qui chargé pied bois, donc ça veut dire que yon pays qui chargé pied bois, ça veut dire que c'est un pays qui riche nan niveau température. Donc nous regardons rapidement salaire moyen li, a dit salaire minimum ni c'est 953 euros. Pour capable louer un appartement dans centre-ville là, un appartement a dit 3 chambres, on a besoin 810 euros le mois. Si on louer un studio dans centre-ville là, on a besoin 450 euros le mois. Si c'est hors centre-ville là, on a besoin 350 390 euros le mois. Si on louer un appartement qui a 3 chambres hors centre-ville là et dans pays Lituanie, on a payé environ 750 euros le mois. Donc nous pour aller avec rapidement bilio maintenant. Bilio nous pour aller rapidement pour nous dire mais comment bilio est. Dans Lituanie c'est pays qui moins cher qui il fait partie des pays qui moins cher en Europe. Pour capable prendre et train on va payer 29 euros par mois. OK? Et ça veut dire on pas besoin tout ça veut dire pour comme si bill m'a parlé de et lumière, de l'eau et téléphone la vie 141 euros le mois. Prix Jean qui me sont dit à prix de un studio, prix de un studio dans centre-ville là 479 euros le mois et dans hors centre-ville là 311 euros. 810 euros pour appartement dans centre-ville là 3 chambres et hors centre-ville là on va payer lit environ 533 euros le mois. Donc c'est tout ça qui vient en globalité avec vie en Lituanie. Partagez, like et abonnez.